Everything changes, but not all change is good. And some changes can be catastrophic. That's why our journalists are working hard every day to give you the facts on climate. Because if we're going to change, let's make the change for good. Keep Media Good, an initiative of the European Broadcasting Union and your public service media. Hello, my name is Markku and I'm from Finnish Public Broadcasting Company and I have a question for you. How can we combine one nation, like one country, all the people together? With this. We have a problem in our world. Environmental change has been violent and rapid, and our birds are dying. Over the last 30 years, more than 420 million birds have disappeared only in Europe. So, the Finnish Public Broadcasting Company started a huge campaign over safe houses for birds. And our campaign is called 1 Million Bird Houses. And, like the title says, we want to achieve no less than 1 million bird houses until the spring of 2017. The challenge is actually crazy, because there's only 5.5 million people living in Finland. For example, Japanese, they would have to make 23 million bird houses. But it went better than anyone expected. During the first 2 months, Finnish people registered over 750,000 bird houses, 3/4 of the target. Even the president of Finland himself and the first lady built their own bird houses. And it was so much fun. On 22nd February 2017, 3 months before schedule, our campaign reached the goal. And when the campaign reached the end, the total amount of registered birdhouses were... Well, let's check a couple of things before that. So how do we keep track? How do we know that we have reached our million? The answer is just a simple web page. And by simple, I mean very simple. Users are asked only the number of their birdhouses and city where birdhouses are put up. A calculator then collects the data and spreads it over Finland's map. Map presents municipalities and number of birdhouses in that area. Broadcast on television, like evening news, local news, morning shows, radio and so on, helped us tremendously. Through the support of media, our campaign spread all over the country. And when it was time to close our campaign, the result was... Miljoona 312.541 pönttöä, mikä on... And let's put that in English. 1,312,541 registered houses for birds. Just for the love of nature. Oletko koskaan miettinyt, että pörriäiset pyörittävät maailmaa? Ilman pölyttäjiä meillä ei olisi hedelmiä, kahvia eikä puuvillaa. Huolestuttavaa onkin, että pörriäisillä ei mene kovin hyvin. Lähes puolta pölyttäjistä uhkaa sukupuutto. Mitä tapahtuisi, jos pölyttäjät katoaisivat? Pörriäiset pitävät huolta maapallon tasapainosta. Lähes kaikki kukkivat kasvit tarvitsevat pölyttäjien apua. Kukkien ja pörriäisten suhteen rikkoutumisella olisi dramaattisia seurauksia. Pölyttäjien avulla lisääntyvät kasvit sitovat maaperän paikoilleen ja pitävät sen elinkelpoisena. Pölyttäjien kadottua ei olisi värikkäitä kukkia, kimaltelevia kuoriaisia eikä loistelijaita perhosia. Se olisi maailma, josta puuttuisi paljon kauneutta. Kasvit ylläpitävät elämää tuottamalla happea.
Voimmeko hengittää ilman pölyttäjiä? Pörriäiset ovat myös ruokaa monille muille eläimille. Ne ovat ravintoverkkomme perusta, jota ilman elämä romahtaa. Meidän pitäisi muistaa kiittää pörriäisiä maailman pystyssä pitämisestä, tarjoamalla hyönteishotelleja ja herkkukukkia. Me tuskin selviäisimme maailmassa ilman pieniä pörriäisystäviämme. I think sometimes in our modern consumer world we forget how connected to biodiversity we are. We might not think the variety of animals in the wilderness connects to us, but it definitely does. We set the group up with the aim of trying to restore native habitats. When we were children, me and my brothers and sisters growing up in Wicklow town, we'd see animals so much more often. My two-year-old daughter is who I think about. I'm just afraid she'll grow up into a world where none of those animals no longer exist. And that I'll have to say to her, you know, you can't see any of those Irish animals in your books anymore because we were too greedy with the land and we were too lazy to fix it. And now most of them have gone extinct. The words we use in our mission statement when we set up the group was to monitor, protect, enhance and increase native habitats. So before we go and get stuck into increasing habitats, we have to monitor what's there. It's important because it helps us to make better informed decisions about our conservation and about our management. Camera traps are great because they give us real concrete evidence of an animal in time and space. Very exciting going to visit a camera that's been there for a week and a half so far. Open it up to see what you may or may not have captured. The excitement's inside you. It's kind of like a kid Christmas day, you know, coming down to see their presents. And then, you know, when you open it up and you get these shots of different animals, it's amazing, yeah. Quite rewarding. I actually moved to Ireland in 2019 from South Africa. Coming from Africa, you have giant elephants and lions and massive animals that are so easy to see. In Ireland, you have to look a little bit closer. So yeah, it's terribly exciting to see what you find. And we're only at the beginning stages now. I can't wait to see what else we'll see from our other sites. Rewilding is a long-term project. We got involved in this knowing that we might be out for quite some time, and actually it'll probably be our children that will see the fruits of our labour, and maybe we'll continue on doing what we've begun. I got into designing at the very beginning just because of my love for animals and the environment. So fashion almost
gave me the platform to work towards spreading awareness. In Miss Ireland, I have made it my campaign to prove that fashion does not have to cost the earth. The generation that I'm currently in has four times the amount of clothing I think that the parents had before them. And this is just directly due to fast fashion. I made my clothes out of things like tablecloths and bath mats and really anything I could get my hands on, anything that would go through a sewing machine. There's always an event, there's always something to go to, there's a photo shoot or you might be shooting this. And every single thing I've gone to, every single place I've went, every fashion show, interview, anything, I've either created it myself, got it from St. Vincent de Paul, or upcycled something I have at home or reworn something. I would like to say, I hope to say, that I have inspired somebody to change. I know already, like the fashion show especially that we just recently had at Miss Ireland, and a lot of girls came up to me and said, I'm going to go to my local charity shop now. I feel like sometimes it's quite daunting because you're almost asking yourself, am I making a difference in the grand scheme of things? And is the world going to kind of like open their eyes to what's actually really going on? Obviously, a lot of people have opened their eyes and a lot of people are fighting, but like, we still need everybody to come together to really make a big impact. I feel like when you're passionate about something, you can't really get rid of it, even if you try. I'm just so proud of myself even now. Like, I know my 10-year-old self would be proud of me. We need to change the way we use, and we need to make the change now. It takes about 10-20 seconds to explain it, but once you explain the concept, people are actually really interested in it. So people want to help. Rock up to your local coffee shop, and instead of getting your single-use cup, you borrow this cup. It costs you nothing to borrow it. You use the cup and you drop it back at a convenient drop-back point. So everybody who's a partner has a drop-back point. So in Germany, for instance, they have 5,000 partners in two cities. So there are drop-back points anywhere. So you can be on your way to work and get in your local coffee shop and drop it home into your supermarket or into your spa or into your post office. It also interacts really well with all the delivery companies, so you can order your delivery in takeaway packaging or reusable packaging. We've contacted all of our local groups, our parents' associations, our sports club, rugby, soccer, GA, tennis, all of them, swimming groups, golf clubs, the whole lot. And we're saying to them, you get your members and signed up. Get them to download the app, get them to participate. Our aim is to reduce single-use plastic waste in Clontarf by 75% in a period of 6 months. And if we can start moving it nationwide, and so that every city, every town, every canteen, everywhere food is produced, every university, every festival, they all are using reusable products, it can make a massive difference.
Dear Prime Minister, is there a planet B? They are happy. But will they still be smiling when for 21 days they will have to drastically change their habits to save the planet? Six young Belgians agree to this unique experiment. One will trade his car for a cargo bike. Another will stop eating meat. Moi, si j'ai pas de viande dans mes repas, c'est comme si j'avais pas mangé, en fait. Je savais même pas que c'était un problème, en fait. And yet, a third will part with these energy-consuming screens. And the girls? Ouais, quand même. Mais c'est pas si petit que ça, hein. We'll live in a tiny house without running water. Et alors là, bah c'est la toilette. Oui, là, j'ai besoin d'explications. 21 days is also the time our brain needs to adapt without trauma to new habits. Si j'étais venu à Bruxelles en voiture, j'aurais fait 38 minutes de route. Au prix de l'essence actuelle et en me disant que je fais à peu près 6 litres au 100, ça m'aurait coûté en essence dans les 10 euros. Ça reste quand même très difficile, mais j'ai réussi à enlever cette compulsion, donc aller voir tous les deux minutes après mon mail. So it is possible. And now, what are the politicians waiting for to address eco-responsibility? Our candidates will challenge the Prime Minister during the final show. Ce qui m'a profondément choqué, en fait. Le monde scientifique qui nous alerte. Vous saviez ce que vous signifiez la sobriété, ou alors vous attendez-nous une définition? What are we waiting for to pass a bill? S'il y a un problème en Belgique, c'est que bah, y a trop de caméras. So, dear Prime Minister, is there a planet B? Ce qui sort de ce pot d'échappement, c'est l'une des causes majeures du dérèglement climatique. Voitures, camions, bateaux, avions et j'en passe, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, pour être plus précis. Alors il y a les trains, 1% des émissions, la marine marchande, 10% des émissions, le transport aérien, 20%, et enfin, les kings de la pollution atmosphérique, les fous du bitume, les voitures, 40%, et les camions, 30%. Le transport routier, c'est donc 70% du problème. Aujourd'hui, sur Terre, il y a 1 milliard 100 millions de voitures. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Parce qu'il y a plus de gens à déplacer? Parce qu'il faut aller plus loin? Ben non, pas forcément. Pour les trajets du quotidien, le taux de remplissage des voitures est de 1,1%. Cela veut dire que 9 fois sur 10, il n'y a qu'une seule personne à bord. Bah oui. Et le confort alors? Ma voiture, c'est ma liberté! Remplir ces véhicules vides pourrait cependant diviser la facture environnementale par 4. Ça s'appelle du covoiturage. Mais au lieu de cela, on se donne bonne conscience car notre voiture consomme moins de 5 litres au 100. C'est vrai, tout comme la 2 chevaux il y a 60 ans, sauf que nos voitures actuelles sont deux fois plus lourdes et deux fois plus nombreuses. Elles polluent donc plus. Même chose pour l'avion. S'il consomme 85% de kérosène en moins qu'il y a 60 ans, eh bien aujourd'hui, il y en a 3 fois plus. La moitié des déplacements en avion, c'est pour transporter des trucs. L'autre moitié, c'est pour transporter 5% de la population. Pour le business, bien sûr, mais aussi et surtout pour un city trip de 2 jours à Barcelone ou pour des vacances au Club Fieux. Pendant ce temps-là, 400 millions de camions transportent des brôles sur Terre. Ils émettent des particules tellement fines qu'elles entrent dans vos poumons ou se déposent sur les glaciers, les rendant tout gris. Plus sombres, ils attirent davantage la chaleur du soleil, la glace fond, libère du carbone, augmente le niveau des mers, bref, tout ça pour transporter des brôles. Même chose pour la marine marchande, qui en prime est responsable de 50 000 morts prématurées par an en Europe, dues aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Alors, il reste le train, le plus écolo. Sauf qu'en Belgique, on a privilégié la voiture au détriment du réseau ferroviaire. Il y a donc moins de trains, cela prend plus de temps, et pour certains trajets, c'est même plus cher que la voiture ou l'avion. Bon, et si en fait on ralentissait? Ça serait pas déjà un bon début? Alors normalement, pour conduire les enfants le matin à l'école, ben j'utilise ça. Alors le premier, voilà, le deuxième. De la maison à l'école, c'est 20 minutes d'autoroute seulement. Bon, ça évidemment, c'est quand il n'y a pas de bouchon. Hein. Petit bisou. Allez hop. Et voilà, 26 minutes montre en main. Mais ça, c'est fini, car désormais je remplace la voiture par le vélo cargo, et peu importe la météo. Je dois partir d'ici à 7h maximum, donc on doit se lever à 6h maximum. Pas de voiture, cela demande d'abord beaucoup d'organisation. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de réfléchir à ce qu'on va faire demain. Vous voulez que je vous explique? Oui. On prend le vélo. Et puis on doit aller faire tout un tour comme ça.
jusqu'à la gare. On prend le train jusqu'à l'école. Les petits loups, il faut se réveiller. Aller à l'école sans voiture, c'est d'abord apprendre à se lever tôt. Très très tôt. 5h45 exactement. Oui, il est gentil. Regarde, papa. Allez, les petits gars, on y va. Dehors, il fait 3 degrés. Je ne sais pas encore si je regrette ma voiture. Coucou, Samy. Je ferme. Oh là là là. Il est tôt, il fait froid, mais tout le monde est bien habillé, bien protégé, à part le casque qui manque encore, je l'avoue. Finalement, on s'amuse plutôt bien, c'est un peu l'aventure. Il y a du vent ! Enfin, jusqu'à cette petite surprise. Oula, 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 oula. Google Maps nous dit de passer là-dedans. Ah. Ça y est, là, je regrette un peu le confort de ma voiture. On est complètement embourbé dans un chemin tout pourri. C'est moi qui l'a poussé sans assistance électrique. D'autant plus que cet itinéraire était le plus court. Voilà, voilà. Ce que c'est d'aller à l'école sans voiture dans la campagne. La prochaine fois, il faudra donc faire un gros détour, ce qui veut dire se lever encore plus tôt. Voilà, on arrive à la gare. Et je vous le donne en mille, on est en retard. Et ça, ce sont les joies des transports en commun. Cette impression d'arriver toujours trop tôt ou toujours trop tard. Dans les deux cas, si on n'est pas ponctuel comme moi, ce n'est pas très confortable. Et voilà, on a 10 minutes de train jusqu'à Namur maintenant. 10 minutes. Maintenant, il nous reste encore, je sais pas moi, 15 minutes à pied jusqu'à l'école. On regarde bien à droite, à gauche. Ok, on peut y aller. Merci. On s'est levé à 7h15, on a fait du vélo, on a fait du cross, on a fait du 4x4 dans la boue, puis on a fait du train, puis on a fait de la marche. Et il est 8h35 et on arrive pile poil à l'heure. Allez hop. Et un câlin. Un câlin. Allez hop. Les enfants sont à l'école, je vais donc faire quelques courses. Des panneaux m'indiquent une piste cyclable, sauf qu'après quelques mètres... Et voilà, fin de la piste cyclable. Maintenant, je me retrouve sur une route où les voitures peuvent faire du 90. Elles me frôlent et regardez ce que je dois éviter. Hyper dangereux. Je me suis vraiment, vraiment senti en danger. Aujourd'hui, je dois aller faire des interviews à Uccle. Ça veut dire que de chez moi, si je combine le train plus le bus, ça me prendrait 2 heures de trajet. Ça me coûterait 21,80 €. Si j'étais venu à Bruxelles en voiture, j'aurais fait 38 minutes de route. Au prix de l'essence actuelle et en me disant que je fais à peu près 6 litres au 100, ça m'aurait coûté en essence dans les 10 euros. À cela, il faut ajouter l'amortissement du véhicule, l'assurance, les entretiens, etc. Résultat, 27 euros. En bus et en train, cela coûte 22 euros et ça prend au minimum 3 fois plus de temps. Ce qui est génial avec les Ravel, c'est que c'est tout plat. Ça va droit au but. C'est une longue ligne droite sans voiture. Et c'est normal parce que regardez, c'est une ancienne ligne de chemin de fer. Ici, on a l'ancienne gare de Vicinal, donc de tram de Sauvenières. Ça veut dire qu'en fait, sur des kilomètres, on pouvait rallier plein de petits villages qui maintenant sont inaccessibles autrement qu'en voiture. Il y avait 5000 km de voies de tram, uniquement de tram, qui reliaient tous les villages entre eux. Je vous présente ce qui reste de la ligne 326. Et figurez-vous qu'au fond de mon jardin, donc par là, il y avait une gare qui me permettait de relier Jean Blou en moins de 40 minutes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tram L à destination de la gare de Jean Blou. Or, 40 minutes, c'est ce qu'il me faut aujourd'hui pour relier Jean Blou à vélo. On a un réseau de transport en commun qui est complètement coupé par un réseau de transport individuel et maintenant qu'on accuse d'être polluant.
Alors qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut des transports en commun ou on veut un réseau de voitures? Nous vous souhaitons un agréable voyage. La famille Verbeek est ravie. Après 6 mois de travaux, elle emménage enfin dans sa nouvelle maison. Mais une maison, c'est quoi exactement? Eh bien d'abord, c'est du béton et du ciment. Et à lui seul, le ciment est responsable de 7% des émissions mondiales de carbone. Car il faut de la chimie pour le créer et de l'énergie pour chauffer des fours industriels. Et puis, il faut l'isoler, cette maison. Et pour isoler une maison, on commence généralement par ceci. L'isolant le plus courant, c'est du pétrole. Et le pétrole, il faut l'extraire, le transformer et le transporter. L'or noir, on l'utilise aussi parfois pour chauffer la maison, avec le gaz bien sûr. Or, le charbon, le gaz, le pétrole sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Finalement, chauffer votre maison au mazout ou au gaz, c'est un peu comme laisser votre voiture allumée en permanence sur le parking. À peine construite, la maison des Verbeek émet déjà 500 kg de carbone par mètre carré. Il faut dire qu'ils ont la chance d'avoir une maison moderne, faite de ciment, de béton, d'acier et de dérivés du pétrole. Les 4 matériaux ayant le plus d'impact sur le dérèglement climatique à cause de la quantité ahurissante d'énergie que demande leur fabrication. En Belgique, au 1er janvier 2021, il y avait 4 590 838 bâtiments, une augmentation de 15% en seulement 27 ans, en majorité pour des habitations privées. On construit donc plus dans un pays limité par sa taille. Pourquoi construit-on encore de nouveaux bâtiments alors que cela pollue et prend de la place? Eh bien simplement parce que c'est moins cher et plus simple de tout raser et puis tout recommencer. Chaque année, le secteur de la construction jette donc 15 millions de tonnes de déchets, autrement dit du CO2 car cela pollue et du CO2 car il faut de l'énergie pour les traiter. Alors ne serait-il pas temps de changer ces mentalités? Le béton, le placo, le ciment, la chaudière à mazout, on a toujours fait comme ça, d'accord? Mais vu les circonstances et les prix de l'énergie, il va falloir changer. Des maisons plus petites, en bois, en terre et pourquoi pas en briques de chanvre. Oui, des maisons en cannabis, ça existe, c'est même une spécialité belge. Et vous savez quoi? Avec une maison pareille, du carbone, vous en stockez. C'est pas beau ça? Salut tout le monde, je m'appelle Adélaïde Ferrier, je suis étudiante à la VUB à Jugend en sciences sociales. Je suis Lucie Moreau, j'ai 21 ans, je suis étudiante en publicité. Et j'ai vraiment hâte de participer à ce challenge 21 jours dans une tiny house. C'est le défi un peu dingue que Gwenaëlle a proposé à nos deux étudiantes. Direction le lac de Genneval, où aujourd'hui, elles découvriront pour la première fois leur toute petite maison. Ah non, non, pas celle-là. Ici, si, juste à côté. Petit, on vous dit. Bon, ben voilà, les filles. Votre petite propriété pour 21 jours. Eh ben franchement, ça a l'air beau. Trop génial. Super beau. Ah ouais, quand même. Mais c'est pas si petit que ça. Hein. Ok. Ah non, c'est trop mignon. C'est super cosy. Vous avez 2 chambres. Une là et une là. Une petite cuisine, forcément. Il y a quand même 2 petits fauteuils, pour dire quoi. Et alors, la salle de bain, elle est là-bas. Ah ouais, ok. Bah, c'est quand même grand, hein. Et alors là, bah c'est la toilette. Oui, là, j'ai besoin d'explications. Le fait de vivre dans un espace restreint avec une autre personne, ça va quand même être un grand défi. J'ai assez peur des toilettes, oui, je dois l'avouer. Là, c'est parti pour un défi de 21 jours. Salut les filles. Salut, ciao, ciao. Salut. Alors la tiny, c'est mignon, mais il faudra vivre et travailler ici. On reste étudiant, hein. Au niveau placard, c'est le minimum. Alors, Lucie et Adélaïde ont dû prendre le strict nécessaire. Un petit jeu de cartes, un petit livre, on sait jamais. Je me suis doutée qu'il n'y aurait pas beaucoup de rangement, donc je me suis dit, qu'est-ce que je mets vraiment tout le temps? Je prends juste ça, 2-3 pantalons, 2-3 gros pulls, 2-3 t-shirts. Vivre dans une tiny house, c'est un défi énergie. Ici, on se chauffe à l'ancienne, question de sobriété énergétique. Ici, il y a la réserve de bois, et c'est ici, sur ce petit tronc, qu'on hache les bûches pour qu'elles soient plus petites. Parce que vu que le poêle est petit, il faut que les bûches puissent rentrer, évidemment. La tiny, c'est aussi un défi zéro déchet. Le compost tournera donc à plein régime, avec des déchets de cuisine, mais pas que. Rappelez-vous la toilette sèche. Excusez-moi, madame. Oui, qu'est-ce que vous aviez dans ce petit seau-là? Écoutez, c'était ma toilette. Ah, c'est pas mal. Donc maintenant, je vais nettoyer le seau pour le remettre à l'intérieur. Merci, madame. Petit fond de sciure après. On est bien là, avec la petite tiny derrière. C'est parfait.
T'as bien dormi, Lucie ? Comme un petit bébé. Ce matin, c'est Lucie, notre chef coq. Elle nous fait des petites crêpes. Mmh. Pas facile, hein ? Pas facile. Ah, mais faisable. Ici. Faisable. Tout s'adapter. Voilà, nous commençons cette journée avec une super vue dans notre petite tiny. Donc voilà, la journée va être très très belle. Petit apéro local. Santé locale, hein ? Oui. Bon appétit. Aujourd'hui, c'est un peu le challenge supplémentaire à cette aventure. Ce soir, on invite des potes, donc on fait la liste des courses. Inviter entre 8 à 9 personnes ici, dans ce tout petit espace. Pour le repas de ce soir, on a prévu un chili sin carne, donc un chili sans viande, pour vraiment montrer qu'on n'a pas besoin d'une immense cuisine pour bien cuisiner quelque chose de bon. Alors la cuisine, ok, mais avez-vous vu la taille du frigo ? Il y a de la place que pour deux bières. L'équipe a donc fait appel à Caroline du Lotte Club. Caroline, c'est un peu la MacGyver de l'énergie. Elle trouve des solutions pour consommer moins. Aujourd'hui, c'est donc atelier bricolage. Ici, je propose un garde-manger. Donc c'est une super solution qui date d'antan. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est mesurer, parce qu'il faudrait diviser l'espace en trois. On est sur du 74 divisé en 3. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs ambiances de conservation pour certains types de légumes et de fruits. Oh, ici, c'est l'ambiance frais à l'ombre. Donc c'est le petit bac à sable que tu vas humidifier de temps en temps. Et c'est là où tu vas planter tes carottes et d'autres racines de tubercules. Pour la conservation des légumes, c'est gagné. Mais je pense que la casserole elle va être trop petite. I'm watching. Pour le repas, l'équipe a construit cette drôle de boîte, une marmite norvégienne. La casserole continuera à cuire sans apport d'énergie. Voilà, ça va chauffer. C'est imposant, mais ça marche. 1, 2, 3. Elle se sent un peu chez nous avec notre petite photo d'amis. Et ouais, c'est sûr. Et allez, c'est parti pour la fiesta. Hola. Comment ça va? Ça va et toi? Bienvenue, hyper beau. Voilà. Inviter 8 personnes à manger dans une tiny, défi réussi. Voilà. C'est parti pour une journée de travail à Bruxelles. Le challenge aussi, c'est qu'on est dans la campagne et que moi, j'ai pas l'habitude de vivre dans la campagne, donc prendre en vélo pour aller à la gare, puis le train. Et puis encore, les trams, les métros, c'est un long trajet. C'est le carnage dehors, donc c'est-à-dire qu'en fait on est dans une période de tempête, ça fait peur. Je sens que la tiny house demain elle va être 10 cm plus loin quoi. Et j'espère que qu'on sera encore en vie. Au pire ça devient une péniche, vu qu'il y a le lac juste à côté, mais bon. On verra ce que ça donne. J'ai pas envie de couler. Oh my god, arrêtez cette vidéo tout de suite. Elles deviennent folles dans cette cabane. Dernière soirée ici à la tiny, ça fait quand même... c'est quand même un peu triste. On se sent super bien ici. Bon, Gwen, moi je propose qu'on prolonge le défi 21 jours de plus et puis qu'on se retrouve 42 jours après. Moi je lance le défi en fait à tous les citoyens qui nous regardent. Genre tester, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il y avait toujours des petits défis pour tout. Je devais réfléchir à ce que je mangeais, mais on n'a pas de four, on n'a pas de micro-ondes, donc il faut réfléchir à des repas, il faut se chauffer. Donc il y avait chaque fois plein de petits défis, mais c'était vraiment que du positif, j'ai vraiment adoré. Au niveau chauffage, les filles ont utilisé 4 petites bûches par jour. Et on était en hiver. Pour les déchets non organiques, un seau seulement en 21 jours. Bravo! En fait, on a complètement diminué notre consommation d'énergie, ce qui a du sens pour notre portefeuille, ce qui a du sens pour le climat. Les tiny houses consomment vraiment beaucoup moins. Et puis, vu qu'on a beaucoup moins d'objets, ça prouve que vivre dans la sobriété, ça fait du bien. Alors, je dis pas que la tiny house est la solution pour l'enjeu écologique auquel on fait face aujourd'hui, mais je pense que c'est entre autres une des solutions vers laquelle on doit se tourner. Et se questionner, je suis vraiment heureuse d'avoir eu la chance et l'opportunité d'avoir fait ce challenge.